televisión española, c'est très nul et ennuyant. J'aime la televisión española parce qu'il y a beaucoup de types d'émissions. Je suis d'accord, je la trouve intéressante et amusante. À mon avis, la télévision espagnole est drôle, mais il y a beaucoup de télépoubelles. Oui, il aime les caméras, c'est vraiment horrible. Vous voulez voir la télé? Oui, maintenant même, il y a une télé-réalité qui s'appelle Love Story. C'est ma préférée. Julia, tu m'as piqué mon parfum. Eva, tu m'as piqué mon copain. Est-ce que vous parlez de moi? Non, je ne te pique pas ton parfum, c'est le mien. Mais je n'ai pas volé les tiens, c'était Nuria. Oh là là, les filles, c'est l'esprit pour moi. Ça, c'est vrai, Nuria? Oui, maintenant, c'est le mien. Vraiment? Eva, tu l'as aidé. Vous êtes vraiment pénible, misérable. Et mon parfum, qui l'a piqué? Moi, parce que je croyais que tu m'as piqué, mon copain. Oh, tu m'énerves. Est-ce que j'ai des soucis beaucoup? Au revoir, je me vais avec ton ex-copain. Vous n'êtes pas de vrais amis. Oh, elle est faux. Je ne supporte pas ça. Les émissions que je déteste le plus sont les télé-réalités comme Love Story, et parce qu'elles sont très fausses et elles sont complètement le contraire de la réalité. Mais nonobstant, il y a beaucoup de personnes qui aiment ce type d'émission, comme Angélica. Je ne comprends pas ça. Je la trouve drôle, mon sang. J'aime ce type d'émission. Elles sont géniales. C'est son préféré. À mon avis, c'est la télé-poubelle et je pense que tout est préparé à l'avance. Mais je suis libre de changer de chaîne chaque fois que je veux. Je ne trouve pas que ce soit très éducatif et je trouve révoltant qu'on dépense notre argent à produire des émissions pareilles. Qu'est-ce que vous ferez dans les vacances de Pâques? Je ferai beaucoup de choses. J'irai à la plage et j'irai à Malaga pour voir les processions. Et toi, Eva? Je verrai mes confréries préférées et j'irai toujours à Malaga avec mes amis. Et toi, Angélica? Je m'assoirai dans le canapé pour voir la télé tranquillement. Et je lirai un bon roman. Je sortirai avec mes amis par le village. Et toi, Amélie? Je n'aime pas la procession. Je sortirai avec ma famille et m'amuserai avec mes cousins. Si vous voulez, nous pouvions aller prendre un pot un jour de vacances. C'est parfait. C'est une bonne idée. Les trois fantastiques ont 19 ans. Elles sont chanteuses et ses partisans s'en foutent de les voir. À quel âge avez-vous commencé à chanter? À l'âge de 11 ans. À l'âge de 10 ans. À l'âge de 8 ans. Et comment vous avez-vous connu? On a participé dans un concours de télévision séparément. Et finalement, on a formé un groupe, les trois fantastiques. Comment vous avez pensé ce nom? Parce que nous sommes trois filles et nous sommes fantastiques. Quelle est votre inspiration musicale? La mienne, c'est Shawn Mendes. Eva est amoureuse de Sean. Et toi? Mon inspiration est Rihanna. Et mon inspiration, c'est Charlie Puth. Comment sera le prochain album? Ce sera un très important album. Nous pourrons voir la collaboration des chanteurs et chanteuses importantes. Combien de chansons aura l'album? 11 chansons. Si vous n'auriez pas fait de chansons, quelle profession auriez-vous souhaité exercer? Astronaute. Mannequin. Mécanicien. Nous allons à la publicité. I feel in my heart there's something to do. Attention, en composant le 118-008, vous avez les renseignements page jaune au téléphone. Allô, 118-008, Sophie, à ton service. Bonjour, je voudrais le téléphone de mon voisin, 3 rue Blanche. Je te mets en relation? Oui. Allô? C'est vous, mon nouveau voisin? Je suis ravie. Ravi. 118-008. Si vous n'en retenez qu'un, retenez celui-là. Les grands hôtels savent combien la propreté est importante pour leurs clients. Leur secret, ce sont les tissus traités avec la technologie AquaClean, qui recouvre chaque fibre d'une couche facilitant l'entretien, même sans lessive. Pas de souci en cas de maladresse ou d'accident. Uniquement pour première marque de tissu d'ameublement. AquaClean, le tissu qui se nettoie simplement à l'eau. Angélica, et pourquoi est-ce que tu auras souhaité être mannequin? Parce que j'ai toujours aimé les photos et l'événement. Et toi, Nuria, pourquoi est-ce que tu auras souhaité être mécanicienne? Parce que j'aime beaucoup les photos. Eva, et pourquoi est-ce que tu auras souhaité être astronaute? C'est très difficile, non? Oui, mais je suis une bonne étudiante et j'aime les planètes. Et qu'est-ce que vous aimez faire à notre déchanteur?
j'adore dormir et voir. J'adore jouer au tennis et dessin. J'aime lire et écrire. Merci les filles, c'est très intéressant. Ça c'est tout. Au revoir. Merci. Au revoir. Un ciel avec un beau soleil régnera toute la matinée sur l'ensemble des Pyrénées. Il n'y aura pas de neige, c'est pour ça qu'on ne pourront pas skier. Dans le midi, dans la Côte d'Azur, en Corse, un orage éclatera provoqué par la forte chaleur. Un ciel couvert avec de belles éclaircies régnera toute la matinée sur le sud-ouest. Dans le sud-ouest, la journée s'annonce ensoleillée et chaude, mais elle sera supportable. Le temps sera parfait pour aller à la plage ou pour faire un tour. Dans le nord-ouest, il y aura des belles éclaircies, mais avec l'avancement du matin, nous pourrons voir que le ciel sera nuageux. En certaines régions comme Brest, il y aura de la bruine, mais en général, le temps sera nuageux. Avec du soleil, régnera toute la matinée sur la côte méditerranée. Un petit vent sera tout indiqué pour supporter la chaleur. Mais attention à vos parasols, il y aura du vent. Le mistral soufflera en direction est. Le jour sera magnifique pour faire de la randonnée à pied par la montagne. La lésion montagneuse enrouillera couvrira tout le massif central, mais il n'y aura pas de pluie. À Rennes et à Nantes, il y aura un peu de brouillard, mais après 17 heures, il n'y aura pas de pluie. Et il y aura un beau ciel. Dans le nord, la météo sera moins magnifique. Le temps sera variable avec des nuages. À Lyon, il y aura du vent. Piqué tu ma Shakira. Pour voir les processions. Tu as suivi procession, t'es quand même la parole. Je vais à Malaga pour voir les processions. Et toi, procession. Je vais à Malaga pour voir les confréries. Et toi, me estaba liando con toda la leche. Mamá, comemos ya. Oui, mesdames, c'est le mien. Vraiment? La femme, c'est le mien. Je ne te pique pas. Ne te pique pas ton parfum, c'est le mien. Parfum. Eva, tu l'as aidé. Eva. Tu es stonte. Tu es stonte. Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est ceci? Non, je me le sais. Parfum. Je te pique ton. Un de parfum. Nuria. Nuria, tu m'as piqué mon parfum. Que bien, Angélica.